Bonjour à tous. Après un bon petit déjeuner, un petit ramassage de déchets en bonne et due forme sur notre coin de paradis que nous avons réussi à trouver. Alors on a trouvé vraiment un bel endroit avec un petit lac derrière, enfin un petit étang. Et la plage qui est juste là derrière. Et nous décidons d'aller de l'autre côté du récif, sur l'autre plage, pour nous abriter du vent. Ah, magnifique! L'eau est d'une beauté, malgré que ce soit couvert. Je suis à la recherche d'une petite crique où il va y avoir moins de monde. Je ne sais pas si je vais la trouver, mais en tout cas, c'est super beau. Les couleurs sont magnifiques et encore, il ne fait vraiment pas soleil. Il y a un peu de nuage. Ça fait un bien fou et ça permet d'oublier un peu tous ces problèmes que connaît la France et même le monde. Ça fait du bien de se changer les idées. Bon, je viens de regarder ici, c'est pas interdit au vol, donc je vais faire décoller un peu le drone pour une petite séquence vue aérienne. Faut que je trouve un bon point de départ. C'est magnifique cet endroit. Ah, propriété privée, on va pas aller trop loin. J'ai du mal à comprendre que la côte soit privée. C'est, je pense, une aberration de plus. Oh là là, paysage de carte postale.
Aujourd'hui, il fait pas très beau. On devait faire deux magnifiques plages, mais ça risque d'être compromis. On va voir, j'espère que ça va se dégager. Normalement, ça va se dégager en début d'après-midi, mais à voir. C'est quand même bien gris. Et les vidéos sont pas top quand il fait gris. Bien, quand il y a du mauvais temps. Petit périple assez incroyable pour avoir l'accès, pour arriver à cette plage. Et on est enfin arrivé. Tous les hôtels se sont appropriés la plage. La plage de Santa Giulia. Donc voilà, des interdictions et puis des hôtels partout, tout le long. Là en fait on est juste derrière un hôtel. On va essayer de la traverser pour aller à un coin un peu plus calme. Car la plage était assez blindée quand même. Oh, ça va, on a réussi à trouver un endroit où il n'y a pas trop de monde. Oh, voilà la plage de Santa Giulia. On va essayer de trouver un bon endroit. Ah, c'est assez marrant aussi. Donc c'est l'eau de la mer qui va jusqu'à l'étang, je suppose. Très beau le coin, donc c'est bien ça. Ça fait du bien d'arriver, il est temps d'aller se rafraîchir. Où est bonne, il y a moins de monde ici que là-bas. Voilà, il y a l'arrivée de l'étang là. Après, la plage continue là-bas. Là, on voit les paillotes de l'hôtel. Là-bas, c'est encore un autre hôtel. Là, il y a la plage plus ou moins centrale. Après, encore tout le long des hôtels. Une plage peu profonde. Belle couleur de l'eau. Il paraît que c'est la plage la plus, avec l'eau la plus claire de Corse. Bon, ça reste à vérifier. Hein. Mais en tout cas, elle est très belle. Et on a pied très loin. Vraiment beau. Bon, je vais peut-être faire décoller un petit coup de drone. J'ai le droit ici.
allez voir, il y a un arrivage d'algues et vous verrez dans l'une des prochaines vidéos ce que ça va faire. J'aime beaucoup cette petite rivière qui se jette dans l'étang. C'est vraiment très beau dans le coin. La seule chose qui me dérange un peu, c'est la privatisation des plages des hôtels. Mais bon, ça c'est pour mes goûts personnels. J'aime bien les plages quand elles sont un peu plus sauvages. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Sinon, elle est vraiment très belle, magnifique. Avec ce petit ruisseau là et ce sable blanc très très fin, je dirais plus, oula, je m'enfonce, de la poussière de calcaire, je pense, plus que du sable. C'est très joli. Ah, et des petits poissons qui prouvent que la vie est bien là. Je vais aller voir un petit peu plus loin. J'aimerais bien atteindre le... peut-être passer par là. Atteindre le ponton. Ici, je suis dans une limitation à 50 mètres. J'ai le droit d'en faire, mais il ne faut pas que je dépasse 50 mètres. Et si je peux me surélever un peu, en plus, il y a une zone un peu plus loin où je n'ai plus de restrictions. Je vais essayer d'atteindre cette zone-là sans déranger personne. Car le but du drone, c'est bien sûr de ne pas déranger les gens, mais de ramener de belles images de nature et ne pas aller espionner comme certains pourraient le croire. C'est pas le but du drone, en tout cas pas pour moi. Qu'est-ce qu'elle est belle l'eau. Magnifique. Bon voilà, je pense que les images seront jolies. Je retourne me diriger vers la plage, profiter un peu avant mon départ. Car bientôt direction la montagne pour faire une petite escale. Après on va retourner sur le côté ouest de l'île, donc un peu de route à faire, environ 4 heures déjà pour aller à la montagne, plus je dirais 2 à peu près demain. Bon, allez, côté ouest, ah il y a pas mal de poissons là. Il remonte le courant, c'est pas des sarcs communs pour une fois. Il y en a pas mal. Et on va terminer sur ces belles images et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.